Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur Rogue Legacy pour la suite de notre aventure. J'ai fait une partie dans mon coin, ça s'est plutôt bien passé. J'aurais pu affronter le boss, mais je l'ai pas fait. Parce que je me suis dit, bon, il s'agirait de le faire en vidéo, quoi. Mais c'était la meilleure partie que j'ai faite depuis le début, et c'était même pas en vidéo, quoi. Et ça dégoûte. Oh là là. Ah, il est lent à tomber. Très bien. Boum. Ah, dommage. Très bien. On se balade un peu, hein. C'est cool. Ok, on s'en sort bien. Terrasser tous les ennemis, ok. Ouf, on a eu chaud, hein, parce que j'ai pas sauté très fort, là. Bam. Bah c'est bien. On va ouvrir le coffre féerique, mon gars. Vous ressentez un besoin, le besoin de lire. Ok, on a plus de mana. Oula, attends. Oh, généreux. On a 300 balles. On est riche. Ça se passe excessivement bien dans cette partie. Hein. Ouf. C'est dommage qu'on ait pas de boost sur les pièces d'or. Hein. Ça aurait été incroyable. Très bien. Dommage, je pensais que ça allait être cool là ce que je viens de faire, mais non. Très bien. Oh fuck. Ah, ce couloir nous aura fait beaucoup de dégâts. Hein. Il y avait un coffre derrière. On va détruire les petits meubles histoire de gagner un peu de pognon. Mais vraiment cette salle nous a fait mal. Hein.
800 pièces d'or, pas mal. Mais plus le temps passe, plus on regrette de ne pas avoir de bonus sur l'or. Un petit bonus de 50% là. Ça aurait fait le café de façon assez indécente. Attends. Par contre, ce serait vraiment cool de récupérer des PV. Il doit y avoir un mur invisible. De détermination là, 25, hop, 35. Les coups de pied tournoyants infligent, ok. Ah, j'ai cru que c'était un chat qui miaulait, mais en fait, non. C'est juste un gamin dehors. Oh fuck! Le truc qui apparaît au pire moment pour me baiser, quoi. C'est pas agréable. Oh, on va mourir. Alors on est forcément déçu, hein. Du lore, le lore, comme vous pouvez le voir, je suis un passionné de lore. Ouais, on a toujours pas les bottes. Ça fait plaisir, hein. Un petit bout de viande là, histoire de se remettre enchanté. Un peu de viande là, s'il vous plaît. Non, pas le rebonheur. Oh là là, merci le jeu. Le jeu est généreux. Et là, l'anneau unique, hop là.
sans hésiter. Vous ressuscitez après un coup. Oh, on a une raise. Incroyable. Enfin, les voisins se sont donné rendez-vous pour faire le bordel, quoi. Bon, après, la liberté, hein. Bah oui, hein. C'est pas quand ça nous arrange, hein. C'est tout le temps. Boum! Ah voilà, mon gars. Ah! Le saut qui n'a pas suffi. Le saut qui m'a fait mal au cœur. Oh, j'ai peur. 30 pièces d'or, enfin 40. Ok, retour au début. Ok, on a le droit à un TP. Qui fait donc éruption dans ma demeure? Ah, nouveau héritage, alors attention. C'est piégeux et piégeant. Mais au moins on récupère des PV. Merci de me rappeler la touche, j'avais oublié. Très bien. Oula ! Magro ! Oh, c'est complexe, ça. Non, pas tellement. Ah, fuck. Ah, c'est bien, on apprend un petit peu à se servir des sauts. Oh, j'ai été débile. Oh, merci le jeu. Dommage. C'est pour ça que c'est complexe, hein. C'est pas ça qu'il faut faire. Ah, il fallait faire R2, ok. C'est cool en vrai comme niveau. Ça m'apprend un petit peu à jouer avec les sauts. Même si avec le saut qui permet de rester en l'air, ça facilite quand même pas mal les choses. Ben voilà, ça valait tellement le coup parce qu'on a récupéré tellement de PV. Tadadam. Oh, on peut bondir dans les airs.
Ça remplace l'autre. Ça remplace ma boule de feu. Oh non, ça rend... Oh, j'aurais tellement jamais dû faire ça. Ça remplace mon arme tout court. J'avais pas compris ça comme ça, mon dieu. Je pensais que ça allait remplacer mon pouvoir de base. Oh mon dieu, bah j'ai tellement de regrets là. L'épée tout court. En fait, c'est mieux dans certains cas et c'est moins bien que dans d'autres. Puis, question d'habitude, j'aime bien avoir une épée. Hein. On est à 1800 pièces d'or. Ah, on a enfin trouvé le boss. J'ignore comment il fait cela, mais je n'arrête pas de perdre la trace de la mèche. Nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons quitter cette île. Nous allons devoir... accéder à sa salle du trône, sa suite royale, je sais comment ouvrir, ok. Il y a deux torches. Voilà. Tant qu'on n'avait pas ce pouvoir, on pouvait pas l'ouvrir. Allez, let's go. Découvrons ce boss. Monsieur la mèche. Mon dieu. Fuck. Bon, c'était prévisible. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, avec une épée, on l'aurait tellement éclaté. Avec une épée, on l'aurait tellement éclaté, ça dégoûte. Enfin,
En vrai, pas, mais. Je sais pas, j'aurais été plus confiant. Hein. J'aurais été vachement plus confiant avec. Avec une épée. 25% d'or, hein, on le prend. J'aurais tendance à dire les dégâts. Voilà, on est maxé en dégâts. Comme ça, plus besoin de se prendre la tête avec ça. Au moins, on découvre le boss déjà. On cherche compliqué. Alors je crois connaître ce pouvoir, il était dans le premier. Tellement vicieux. Je m'attendais pas à avoir deux fois d'affilée le même piège. Ouais, c'est ça, c'est le même que dans le premier. On va faire une partie bien moins bonne, hein. Là, ça part mal, on va dire. J'adore le pognon. Dommage. Vraiment. Bon, bah le défi a été rapide au moins. J'ai pris trop tard. Parfait.
Oh mais non mais je suis débile. Heureusement que ça crame pas le pognon. J'aurais pleuré. Le streamer pleure en live quoi. Ce que ça fait, du coup, on prend n'importe quoi. Oh, un katana. Vas-y, j'ai bien envie de jouer au katana. Fun la première fois, même si je pense que je m'en sortirai mieux avec l'autre. Toujours débile hein. Stylé quand même, j'aime bien. Terrasser tous les ennemis, ça c'est mon mon event préféré quoi. Oh là là, il y a des flammes partout. Ah bien joué. Fuck. Dommage. Bon, c'était un peu moins bien que la partie précédente. On n'en fera pas souvent des parties comme avant. Bon, pas de 12 XP, on va prendre la Valkyrie du coup. On a 1000. On peut prendre un dueliste ou alors augmenter le poids, mais le poids il faut... Faut du stuff, on peut peut-être regarder vite fait si justement on peut créer du stuff, hein. Tant qu'on crée pas de stuff, ça sera toujours un peu nul quoi. Plus 2 de dégâts là, plus de vitalité pardon, et là plus d'intelligence, je pense qu'on peut créer une armure, enfin une arme plutôt. En vrai, tant qu'on se crée pas de stuff, bon, ça améliorera pas beaucoup. Quoi. Bah, attends quoi. À tester. Hein. Ok, ça lui met toutes les... Ok. Toutes les maladies, là. Ok, il a fait les dégâts de la porte. Parfait.
Ça me durcifie le coin. Tambour de guerre 45. Voilà. Toutes les reliques augmentent vos dégâts. Oh. Plus on en a, plus on est fort. Incroyable. Du coup là on a 4% de dégâts en plus. C'est pas ouf. Mais si on arrive à en avoir dizaines, au pif, ou 10 hein, carrément. Là, il va pas avoir de boss, hein. Alors que tout à l'heure il y en avait un. Ah, c'est pour ça qu'on subit pas de dégâts en fait. Nos PV maximum sont directement amputés dès qu'on subit le moindre dégât. Minerai, ok. C'est pour ça qu'il m'en donne là. Là il me donne de la bouffe bizarrement. Les questions courantes ça a aucune valeur. Je sais pas ce que ça fait le truc, j'ai pas lu en fait.
Ouais, très peu de PV. Hein. Bon, là j'ai été nul, enfin j'ai été con de monter parce que je sais qu'il n'y a rien. Bon, prochain coup on meurt plus ou moins. Barbe blanche, 7 PV, bon on est bien. Bon, on était déjà dans une situation précaire. C'est pas pire qu'avant. Pas mal. Oh, un plastron. Quel débile. Mourir comme ça, quoi. Ah, pas de bonus. Ça dégoûte. On prend l'anneau unique. Grand DPV, du poids, ça c'est quoi? Attends. Augmente le gain d'or de certains traits. Recommandé. Ouais, mais c'est quoi les certains traits? Voilà. Allez hop, on y va. Ça c'est des upgrades qu'on ne regrettera jamais globalement. Le truc qui regène des PV je pense c'est Godfrey. A voir à quel point ça regène mais... Un PV par monstre. Bon ouais ça va c'est correct. Hein. Par coup, pas par monstre. Ah, parce que je les tue en même temps. Oh, je vois les coffres, ok. Du pognon. Bien joué. Voilà, le pognon. Quasiment full PV, c'est agréable.
plus j'imagine qu'on peut upgrade le pouvoir du coup au bout de 2-3 upgrades ça devient viable. Là un PV c'est pas terrible. Mais au bout de 4-5 PV ouais, c'est trop fort. Après le problème c'est que contre les boss, à moins qu'il y ait des boss qui font pop des ennemis. Mais à part ça, c'est pas terrible. Hein. Nickel. Ça valait le coup de venir jusqu'ici, quoi. C'est fort, hein, j'ai l'impression de poison. Un peu. Voilà, c'est pas terrible. Hein. C'est pas nul, mais c'est pas terrible. On peut pas y accéder de toute façon. C'est dommage qu'il soit dur à trouver le boss. Hein. Parce que si on pouvait le try avec tous nos PV, ce serait agréable. Ça dégoûte parce que d'habitude il attaque pas aussi vite. Ça valait le coup. Quoi qu'il arrive, ça valait le coup. Aucun regret, quoi. Est-ce que vous avez des regrets? Moi, non. Bah voilà, encore moins, là. Ah non, ça rend pas tout. Ah, le boss. Oh. Un meilleur casque. Pas besoin de le refaire, ok. Peu importe le résultat, c'est le dernier try, enfin de la vidéo du moins, avant l'épisode prochain. Ouf.
faut monter le plus haut possible. 10, ok, c'est 10 le max. Ah, j'ai été débile là. Moitié de TPV. Mais non, ah dommage. Bon, on l'a mis à moitié de TPV, c'est déjà pas mal. Mort bravé. On va peut-être le battre. Bon, ça se joue à un poil de fion, mais j'ai mal joué, hein. Pas mal. On a tué du monde. Oh, 75% d'or en plus. Ça attend la fin de la vidéo pour nous offrir ça, quoi. Qu'est-ce qu'on prend? Des PV en plus. Une regen de PV quand on arrive au boss. Bon, allez. On maximise les PV là, et puis comme ça, après, là, on peut en remettre, quoi. Gain d'XP, ça, ça peut être cool de le prendre pas trop tard, quoi. Vous octroyez un bonus aux stats, ok. Un bonus aux statistiques. Bon. En tous les cas, merci d'avoir suivi ce petit épisode. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite au retour.